Salut, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur SnowRunner afin de vous montrer la position d'une amélioration. Il s'agit aujourd'hui d'un moteur. Il s'agit donc du SI6V2100T qui est disponible pour le GMC MH9005, le Chevrolet Kodiaq C70 et le Fleetstar 2070A pour les véhicules que j'ai débloqués. Le 9005 et le 2070A sont des véhicules que l'on débloque au début. Comme vous pouvez le voir sur la fiche, ce moteur est disponible pour 5 autres véhicules. Pour accéder au site, je vous conseille quand même d'avoir une prise d'air surélevée sur votre véhicule et si possible aussi d'avoir un véhicule surélevé. Bon, avec le Chevrolet de base ça passe une fois qu'on l'a un petit peu optimisé quoi. Donc sans plus attendre, voici le lieu où se trouve ce moteur. C'est pas très loin du garage. Voilà, on n'est plus très loin. Une petite descente. Il faut se frayer un chemin entre les arbres, passer entre eux, les arbres. C'est tout proche, quelques petits passages pas trop compliqués à passer. Et par contre c'est là où il va nous falloir une prise d'air surélevée sur le véhicule. Une petite zone bon, pas peu profonde, mais avec un véhicule d'origine, le moteur va caler car il sera noyé. Et voilà, déblocage du moteur. Il ne reste plus qu'à l'équiper. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous le désirez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !